Hey guys, j'espère que vous allez bien. We are the next day. Nous sommes le jeudi 3 novembre et c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 25 ans et plutôt vous dire ce matin on voulait se réveiller tôt, voir le lever du soleil, on voulait profiter du breakfast, etc. Parce qu'on nous a dit qu'il y a un buffet littéralement pour le breakfast. Et du coup on a tellement bien dormi hier qu'on s'est réveillé à 10h. C'est ça, à 10h qu'on s'est réveillé? Ouais, à 10h, littéralement, on s'est réveillé à 10h. Donc on a raté le breakfast et là on s'est juste préparé rapidement pour partir manger un petit truc. So, here's how it's going. Je porte un bikini comme haut. Changer le bikini chez moi et ensuite je porte un short. Et là, dans pas longtemps, je vais enfiler mes tongs. And let's go. L'hôtel nous laisse un petit sac à disposition. Donc je vais utiliser le sac parce que I think it looks cute. Like, look at this. It looks so cute. Donc dans ce sac, du coup, j'ai ramené une serviette de l'hôtel. Je garde toujours des porte-clés sur moi au cas où que je vois des abonnés. Je pense que je vais surtout rencontrer des abonnés samedi quand on sera à Pau-Maturin, I think. Enfin, quoi qu'on voulait passer à Pau-Maturin aujourd'hui. So, here's how it's going. Et ce matin, je voulais même faire des petites séquences hyper cinématiques, genre de moi qui ouvre les volets, etc. D'accord, moi j'avais un plan de ouf ce matin. But then, you know what, I was so tired. Et le lit est tellement confortable, like vraiment, j'ai hyper, hyper bien dormi hier. Like, no jokes, guys. It was amazing. Je suis juste un peu triste que j'ai raté le breakfast, like... That's it. Viens, retire ta casquette, applique la crème solaire. Oui, je retiens ma casquette et j'applique la crème solaire. C'est là la noire, hein, ton... C'est là de ta main. Oui. Et oui. Pas comique, hein. Pas comique, hein. Ouais, ce matin, quand j'étais en train de prendre ma douche, vu que la douche est comme ça, et que littéralement à côté. Genre voilà quoi, s'il y a une personne qui est là, la personne me voit à poil, littéralement. Non, c'est improbable qu'il y ait une personne qui va venir monter sur le mur ici. Mais voilà, vu que je suis une parano, ce matin j'ai mis le petit truc do not disturb sur la porte parce que j'avais peur qu'une personne vienne pour faire le ménage, etc. et que moi je suis à poil sous la douche. Donc parce que Fred était parti justement voir le resto. De base, je voulais manger un bon crabe aujourd'hui. Mais à Skip, bon, plusieurs personnes nous ont dit ça, que justement ces derniers temps il n'y a pas beaucoup de trucs, etc. Que même la saison de pêche n'est pas officiellement ouverte en soi, donc il n'y a pas de crabe. But it's alright, on va trouver quelque chose d'autre. Ah, les touristes sont sur la plage en train de... Bronzer. Ouais, on doit chercher ce petit coin là, Rodrigue là, prendre une photo là-bas. Oh. Enfin, on a plein de jours, hein. C'est pas comme oh, si on doit... Oh, mettre le trépied devant après, ça soit... Oui, t'as capté, ouais. De dos comme si, ça va être cool. Here's my outfit of the day. Donc là c'est un bikini. Genre j'ai le même bikini là. Donc yep, avec mon petit sac là. What do you think, guys? What do you think? Look at me. Je suis prête pour partir au marché là. En vrai ça fait typique touriste, hein. Littéralement. Like littéralement. Elle a fini de trouver que t'as un sac là. Elle a fini de trouver que t'es gourmand. Ouais. Let's go, it's my birthday. Hey, j'ai des lunettes trop fancy. Alors, attends, je vais voir si ça part avec ma tenue. J'avais un bracelet doré là-bas. Non. Ici? Non. Je crois que j'ai mis mon bracelet. Look at this. This is so fancy. Tu as vu mes lunettes? En vrai, elles doivent être là, je pense. Ok. Oui. Elles? Elles sont trop originales, non? Allez, allez. I don't care if I look ugly. I really like them. It's giving... Bobby Mariposa. Depuis hier, j'ai les seins à l'air. Hier au dîner, j'avais les seins à l'air. Ce matin, je me réveille, j'ai les seins à l'air. You know what? Everybody's gonna see my boobs. I don't care. Wow, les gens, ils ont des chapeaux de paille et tout. Like, I love this vibe. Ouais, les gens, ils ont des chapeaux de paille. Je vais m'acheter un chapeau de paille à Pau-Maturin là. Sympa à Pau-Maturin, c'est ça? Oui, mais il est pas grand. Genre, je l'aime, mais il est pas grand. Genre, c'est un chapeau que je vais garder, genre souvenir, tu vois. Je veux un énorme chapeau de paille. Does it make sense? Je veux un super gros chapeau de paille. J'ai failli tomber, je regardais la fille, elle était trop belle. Regardez-moi cette vue. Ah, I'm so happy. J'ai gardé mon sac à l'arrière. Like my bag is my baby. Du coup, je garde mon sac à l'arrière pendant le trip. J'ai pas envie. J'ai envie de prendre toute la place devant. Je vais prendre mon téléphone avec moi devant. De base, quand j'étais à l'île Maurice, j'ai essayé de contacter quelques pâtisseries pour commander un gâteau, etc. Mais je pense qu'ici, les gens sont pas très réseau et tout. Enfin, je sais pas, vraiment, je sais c'est pas. Plus de genre les business, appel. Ouais, c'est plus appel, genre venir sur place commander. Parce que j'ai envoyé des messages à quelques pâtisseries et tout. Quelques recommandations que même les abonnés m'ont envoyé sur Instagram. Et personne ne m'a répondu, genre ils ont même pas vu le message.
Donc never mind, je me suis dit pourquoi pas acheter une tour, genre une petite tour, de mettre une petite bougie dessus, like why not? Like something very simple, et en même temps la tour pour bien représenter qu'on est à Rodrigue, etc. Donc voilà, et du coup on va essayer de trouver une petite tour à Port-Mathurin et on va essayer de déjeuner à Port-Mathurin aujourd'hui. So yes, let's go guys. On vient de croiser la queen de la queen, la queen de Rodrigue quoi. On vient de croiser Anne-Muriel. Comment ça va? Tu travailles? Sorry, je te non, demanderais de crier. Non, Melvin, là, la j'allais t'envoyer un message. Même j'allais te dire, ouais, bah, je suis arrivée, on doit se voir. Et comme Azol, elle me dit, ouais, regarde ta pote est là. Ça va? Ça va, ça se passe hyper bien. Merci, oui, c'est vrai. She's really nice. She's so pretty. Look at her. Like, so pretty. Je pense qu'elle travaille au collège. Au collège. Si je me trompe pas, elle est prof, ouais. Ok. Si tu es vraiment dans un vibe détente, genre vraiment, t'es pas. Tu peux pas stresser là, tu vas stresser pourquoi? Y a pas les bouchons. Y'a pas de robot. Like there's nothing to stress you out. Y'a pas de bouchon, y'a pas de robot. Les gens sont hyper gentils. Qu'est-ce qui va te stresser? Y'a rien pour te stresser. Like you can be stressed here. Par contre je vous préviens d'avance, mes cheveux seront hyper secs. Parce que bah du coup j'ai pas ramené mon huile pour les cheveux. J'avais peur que la bouteille se casse dans ma valise ou something. So yeah, my hair is super dry. Wow guys, look at this. Oh my god. Ouais ça les gars. Je suis in love. Petit récap. Là nous sommes à Port-Mathurin. Bon là je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a autour parce que yeah. Ah, c'est ça que je pense, c'est toutes. Je n'ai pas comme ça. Faut pas s'en regret, il y a des designs autour. Ah, chapeau. Et moi je me vois bien avec un petit chapeau là. Bonjour. Je vais repasser. Oui. Faut qu'on nage là. Donc tu peux nager. Oui, c'est la mer, joli. Bonjour madame. Bonjour madame. Faut qu'elle paye sa toute là avec vous s'il vous plaît. Pas ouais. Un problème, merci. Ah, un peu de coup de non? Salut, ça va? Bien? Ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça crie bien les mêmes. TikTok. On va me faire un petit pot clip ou je me get une vidéo à ta chaîne. Tu peux faire un petit pot clip moi? Bon bien, t'as même un du monde, j'ai vraiment besoin de me donner une porte-clé, toi t'as bien allé. Bye bye, bonne journée. Son style, elle est trop belle moi. Ah, j'adore. La fille m'a vue, elle avait crié, elle vient aller même. J'ai réussi à juste dire Coralie, elle m'a hoché en criant un peu autant quoi. J'ai réussi à donner un porte-clé, I'm really happy. Et moi si vous me voyez là, arrêtez-vous, venez me dire bonjour. Venez, venez en Paul. Salut, comment ça va? On est juste passé rapidement dire bonjour. On s'est dit vu qu'on est là, on a vu, on a dit on vient dire bonjour. Bon anniversaire. Merci, oui c'est vrai. J'ai tendance à oublier que c'est mon anniversaire tellement que je suis émerveillée par ce que je vois. Oui ça se passe bien, ça se passe bien. On a tellement bien dormi qu'on a raté le breakfast ce matin. Donc je pense que c'est... Oui mais voilà on s'est réveillé à 10h. Salut, ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ouais pour le moment ça va. Ouais. Chill. Chill, manger et chill. Ouais. On cherche un truc à manger. On sait pas vraiment où on fait. On regarde dans les alentours aussi un petit truc. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez manger? Est-ce qu'il y a un endroit qui vend du crabe? Crabe. Ouais. On a Pêcheur du Nord. Ouais. Comment ça s'appelle? Pêcheur du Nord. C'est pas loin d'ici. Alors tu parles qui est droit? Ouais. On est à gauche à peu près. 300-400 mètres devant. Ok. Ouais, ouais, okay. Dac, super. Allez, Dac. Okay. C'est que là, on était à l'office Rodrigue Tourisme. Parce que de base, on est en. Enfin, on va travailler avec eux pour promouvoir l'île, etc. Et justement, il s'est passé tellement de choses la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps d'annoncer toutes ces nouvelles. But I feel really blessed d'avoir été choisie pour promouvoir l'île, quoi. Déjà, là, je suis in love de l'île. Donc, yeah, I'm so excited.
Et du coup, on a un planning d'activité, etc. à partir de demain. Donc là, les deux premiers jours, on était en mode chill. Genre là, je vais profiter de mon MSA, etc. Et ensuite, à partir de demain, on va partir faire des activités avec eux. Donc, I'm really excited. Donc, à partir de demain, ce sera beaucoup plus mouvementé, beaucoup plus adrénaline et tout. On va partir faire tout ce qui est tyrolienne. Et enfin, ils ont prévu plein d'activités pour nous. Donc, voilà, voilà. What's up? Et là, ils nous ont recommandé un resto fruits de mer. Je vais partir voir s'il y a du crabe, parce que je voulais absolument manger du crabe aujourd'hui. Concernant le crabe, maman me dit qu'il y a en curry, seasoning et... sauce rouge. Si vous voulez, si vous aimez bien le piment, il y a le Sichuan. En seasoning peut-être. Et le crabe en seasoning, ça coûte combien environ? Parce que je vois différents prix. Oui, donc vous avez celui de 450, celui de 500 et de 650. C'est quoi la différence? C'est la taille? La grosseur, oui. C'est le poids. Ok, donc un crabe en seasoning de 650 s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que... fun fact about me, c'est que pour mon anniversaire, je voulais absolument manger du crabe. Mais par contre, la plupart des restaurants qu'on est parti voir, etc., il n'y avait pas de crabe en stock. Donc on nous a dit que justement, quelques jours de cela, la mer n'était pas top top pour la pêche et tout. So yeah, mais finalement, on a trouvé un resto, ça s'appelle quoi? Le Pêcheur du Nord, c'est ça? Le Pêcheur du Nord. Et du coup, ils ont du crabe. Et là, j'ai pris le plus gros crabe. Genre, il y en avait un 450, un 500 et un 650. Bah, non, on va dire. Mais en tout cas, j'ai pris un gros crabe. I really want to eat like a big, fat, fat crab. Merci. Merci. Voilà ce que j'ai commandé pour manger. Donc ça, c'est le seasoning de crabe. And it looks amazing. J'ai même eu des rince d'oie et la petite pince, etc. Donc yeah, let's eat. Fred a pris un gratin de fruits de mer qui vient dans une petite coquille comme ça. Et la petite salade et les frites. Looks really good. Merci. Tiens, bon. Ah, ça me touche. Joyeux anniversaire. Merci. De la part des une star. Merci. Merci beaucoup, merci. Un petit bébé. Tu dois souffler et tout là. Merci. Oui. Tu dois souffler. Oui. La première bougie que j'ai soufflée depuis ce matin. Merci. Papa, les mots, il y a 25 ans, il y a une rallumée. Ou c'est peut-être la bougie chic qui se rallume, rallume, rallume. Yeah! Voilà le resto où on a déjeuné aujourd'hui. Il y a même le numéro ici. Si jamais vous venez à Roderick, ben. Mais c'était pas fait votre réservation ici. Bonjour! Ça va? Mon copain me dit qu'il y a deux filles qui m'attendent derrière le 4x4. Ça va? Bonjour! J'ai pas pu ramener grand chose de ma valise, mais j'ai fait faire des petits porte-clés personnalisés. Vous vous appelez comment? Kelly. KG? Ok. Shelby. Enchanté. Cool. Merci. Pas de soucis. Vous étiez à Pomacho quand même? Oui, depuis Gramatène. C'est ma souris. Non, vous étiez en train de me chercher du coup. Oui. Ah, d'accord. Donc, comme ça, on a vu du coup. Et regardez mes stories, et regardez où j'étais. C'est trop cute. Ok, guys. Attendez, je vais juste vous raconter ce qui s'est passé. En gros, de le resto, j'étais justement en train de parler de birthday, etc. Blabla. Et à un moment donné, la dame, elle vient me voir. Et elle me dit, oui, c'est l'anniversaire de votre mari. Elle me dit, attendez madame, attendez, c'est l'anniversaire de votre mari. Et là, je la regarde, je lui dis, non, c'est mon anniversaire. Attendez, wait a minute. Et du coup, elle rigole et elle me dit, ben, attendez, on a une petite surprise pour vous. Et là, elle vient avec une petite tranche de gâteau, une petite bougie et tout. That was so cute. That was really, really cute. Coucou. Trop contente de te rencontrer en tout cas. Moi aussi. Tu habites pas loin? Ça se trouve. Un peu plus loin. Oui. Ok. Après, tu calais. Ça veut dire qu'à moi, des toits quand tous les jours, des vidéos. Ouais, ouais. Yeah, non, mais normal, fini qu'à moi là. Fini qu'on tout, fini qu'à moi. Demain, je vais pas le petit là-bas. Tu calmes, then tu lives. Nous retournons l'hôtel après. Oh, yeah. Allez, bonne journée. Bye bye en tout cas. Bonne journée, bye bye. Ben, je pourrais venir hein, parce que déjà mon amour est avec l'île là, je pourrais venir sur mon impression. Allez, ben, quand tu viens de Maurice, ça me manque un petit message, normalement c'est une petite affaire. Okay. Je peux avoir un bubble tea coconut à emporter s'il vous plaît. Bien sûr. Ouais. Tu veux un tout? Non. Ouais, un petit truc frais pour voir. Il est sans doute un petit peu trop frais que moi et Colin. Hein? Il
Il y a un petit peu de transport avec nous. Oublié transport avec nous. Tu peux louer transport avec nous. Ben ça va, mais t'as vu que j'ai besoin, hein. T'es sérieux, tu m'as dit ça là? Oui, tu vas chercher la... It's so pretty, look at this. Wow. Les chemins sont très curves, comme c'est ici. Ah, ah, regardez la vue là. Regardez. Wow. So pretty. J'ai bien mangé aujourd'hui. Eh, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. C'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, en gros, ce qui se passe, guys, c'est que... Ah ouais, mets-toi dedans là, dans le parking. On sait pas si le parking à qui on rentre dans le parking, parce que c'est pas possible que depuis hier, on passe à côté des grilles de saucisses grillées ou something like that. I just want to eat this. Genre vraiment là, je suis full. Je ne peux plus rien avaler, mais je vais trouver de la place pour cette saucisse là. Because it looks so good. I want saucisse grillée. I don't care, I want saucisse grillée like right now. Avec Mario. Ouais. Ouh. Big at saucisses. Bon, nous dépassons la vie, miam miam. Ok. Mais là, c'est un tien. Non, là, une coca. Damn. Alors là, il est 4h05. On vient tout juste de rentrer à l'hôtel. Et du coup, la chambre a été faite, etc. Everything is clean. Donc là on va juste partir à la plage. Et ensuite vers 5h30 on va partir récupérer Shelly. Donc j'ai rencontré Shelly qui est justement l'influenceuse de Rodrigue. J'ai regardé son compte etc. Maurice. She looks really nice. Et Adiba la connaît. Donc Adiba a quitté un petit cadeau pour elle avec moi. Donc Adiba a quitté un petit truc pour elle. Et moi j'ai acheté du chocolat pour elle dans le duty free. So I hope she will like it. Mais voilà, j'ai rencontré Shelly aujourd'hui. Je pense qu'on va passer à se poser quelque part, manger un petit truc léger, boire un petit cocktail ou something. I don't know. On va juste se rencontrer. And I'm just so excited about it, like to meet another content creator. Like, moi, j'ai juste hâte de la rencontrer. Et je pense qu'elle est beaucoup plus grande que moi. I think. I'm not sure about it. Il y a plein de gens qui essaient de m'appeler, but you know what? Je vais même pas répondre au téléphone aujourd'hui. Like, hello. Voilà, je reçois beaucoup d'appels depuis ce matin et j'ai répondu à aucun appel. C'est pas que j'ai pas envie de répondre aux appels, c'est juste que j'aime pas parler. And I just think that if you know me, like si t'es quelqu'un de proche, etc. avec moi, you know that. Je déteste répondre au téléphone, je déteste parler au téléphone. Donc j'ai encore répondu à aucun appel depuis ce matin. Donc yeah, j'ai répondu à quelques messages, vraiment quelques messages, alors que j'ai reçu plein de messages, like plein de messages. And I'm so grateful, guys. Genre merci pour tous vos messages etc. J'ai vu que certains ont partagé mes photos et tout pour me souhaiter joyeux anniversaire. Like thank you so much, I'm so grateful to have you and I feel so blessed right now. Il est 17h47 et un peu plus tôt on était à la plage et il a commencé à pleuvoir mais là ça va beaucoup mieux sauf qu'il fait un tout petit peu froid. But it's alright, là on va juste partir rejoindre Shelly, on va juste se rencontrer, etc. I'm so excited! Et ensuite on va revenir pour le dîner ce soir. Donc on va dîner à l'hôtel. Et j'ai prévu un petit outfit pour ce soir vu que c'est mon anniversaire, etc. I don't care if I look extra et F au restaurant. I really don't care. Donc voilà, j'ai prévu un petit outfit. Elle est là. Ah, elle est là! Ouais. Yeah, elle est là, on va rejoindre Shelly, guys. And my hair looks like crazy. Ah, she's so cute! Elle a fait deux petits pompons. Hey! Attends, demande-moi ça de même. Comme si pour qu'elle ait ma place derrière. Thank you. Salut! She's so cute! Hi! Salut. Comment ça va? Correct, ça va, correct. Ça va. C'est vraiment pas loin, quoi. C'est vraiment, vraiment pas loin. Mais tu habites pas ici, là? J'habite là, là. Ah, mais tu connais Marie-Thérèse, alors? Ben oui. Ça, c'est pour Adi. Ça, c'est pour Adi. Le truc qui me craque, c'est un truc fragile? Non. Non. Mais la bouche de Thérèse, elle fait fragile. Allez, d'accord. Ça me connaît. Elle a mangé aussi, là, donc. Allez, allez. Fais-le nous cadeau. Fais-le nous cadeau, vous. Voilà. Il y a un truc pour toi. Tu peux retirer, hein? Non, non, t'es. Mais on t'est. Aïe. C'est ça? Oui, un truc vrai, et un truc pour se tuer. Ben, elle a tué. Donc, dis-moi, tu prends ma tuerie, on va faire une manzana comme ça. Et là, je me dis, ah ouais, samedi, pour bien un samedi, parce que maintenant, j'ai mon samedi, il a plu beaucoup de monde. Yeah!
Regardez ses ongles, so pretty. Like yeah, material girl. Quand tu as une mauvaise, c'est pourquoi même t'en manges une base. Faut une merde. Ouais. Du coup, il est quelle heure? I just don't know. Il est 8h30, presque 9h. And I'm trying to do like a little makeup or something, vu que c'est mon anniversaire. I'm really trying. Moi, j'ai une petite cicatrice sur le ventre ici là. Petite cicatrice. Et du coup, je mets toujours. Du coup, je sais, il y a certaines vidéos où on voit la cicatrice, il y a certaines vidéos où on voit pas, il y a certaines photos où on voit, certaines vidéos où on voit pas. C'est tout simplement parce que. Yeah, I put some makeup on and it's gone. It is. Boom, boom, boom. Ta-da! Okay, guys, here's my outfit of the night. Boom. Et là, on va juste partir à dîner. Et du coup, niveau makeup, parce que je sais pas me maquiller, it's really simple. But yeah, petits accessoires dorés, petit sac marron, petite chaussure marron et la robe que j'ai fait expressément mon anniversaire. So, here it is. Boom. Donc, let's go. Happy birthday to the queen. Toi, tu veux me montrer. En fait, tu as fait ça. Tu veux que Queen, tu as fait ça. Ouais, tu as fait ça. Cassé. Mais le pouce pointé vers moi. Donc voilà ce que j'ai pris aujourd'hui. Et genre c'est ça le petit pain que j'aurais aimé avoir encore plus quoi. Ça c'est le plat, donc là on a un risotto avec des crevettes. Là c'est le poisson frais grillé ou something like that, I don't remember. Et ça c'est les légumes. So yeah. Et Fred a pris des pâtes avec des crevettes et du poulet. Et là il est en train de faire une story. Donc il est là. But here's how it's going. By the way, comme boisson, on a pris justement du jus frais, genre qui vient tout juste d'écraser les fruits, etc. J'ai même pas besoin de couteau quoi. Le poisson est fondant. Bonsoir. Non, mais là, au contraire. Au contraire, elle nous a montré chef qui veut cuire manger tous les autres. Regarde la carole. Hop là. Voilà, enfin. Qu'a fait un petit coucou. Sinon ça va? Correct. Ça va, ça va. La nourriture est très bonne. Hier surtout j'ai beaucoup aimé le bouillon de poisson, c'est ça? On croit bien. Ouais, hier j'ai beaucoup... Pas tu l'as hier? Pas où que tu l'as hier? Hier. T'es bon boulot. Pas encore, d'accord, pas là. Ouais, non, hier on va tu là. Enfin moi tu l'as matin. Ouais. Tu l'as matin, après moi on l'a réveillé après-midi. Ok. Ah oui, hier. Hier tu as arrivé sur mon matin, oublié. Ah, scorpion. Moi quoi? Oui, c'est toujours l'anniversaire, Scorpion, du coup, René. Ah, ouais. Merci, oui. Moi, madame. Ça veut dire madame caractère bien. Aïe. Je dis Scorpion. Mais quand même, on dit Scorpion là comme ça, hein. En fait, alors, voilà le dessert, guys. It looks really good. Donc, yeah, let's eat. T'as attaqué direct, quoi. Venez, Fred, un coup. Le petit compétition, bah là, fait. En vrai, Fred est tellement fan des desserts et en plus, il a mis un truc chocolat, je sais qu'il va aimer. Ça vous aime le chocolat? Faut pas qu'il pousse là. Pourquoi t'as pris ça? Comme j'ai passé les dents. Ouais, mais du coup, c'est le truc. Ah là là. Pour petit déjeuner le matin. Ou là, juste le soir ou bien le matin aussi, ou là, des fois? Là, demain. Demain? Ou déjà, là, le petit déjeuner. C'était un coup du monde. On a fini comme ça, rempli. C'était. Non. C'était encore vide. Oui, c'était mais le problème, on va griller, c'est pour ça que je fais de là. Ou bien, c'est une idée. Il peut le dire. Allez, d'accord. Moi, il me respecte. Merci, au revoir. Et je dois signer là. Oui. Oui, c'est mon anniversaire. Comment vous savez que c'est mon anniversaire? Merci. Il y a un gâteau qui va venir là. Allez, rencontre.
Bah, je retourne alors. Who's birthday? Who's birthday? My birthday. Oh, my birthday. Je veux pas que j'en sois là. Je pourrais jamais manger tout ce gâteau toute seule quoi. Joyeux anniversaire. Madame. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Ça fait un peu là. Je souhaite revenir ici. Merci. Wow. Mais en tout cas, I was not expecting this. Un petit gâteau. Genre, on était en train de potier, etc. Ils ont dit, ah oui, c'est chambre 11. I was like, yeah, that's us. Moi, je pense qu'on a fait un truc, qu'on a fait une connerie ou something. I don't know. C'est la fille de mon collègue qui veut un truc. Ah, ok. Ah oui, oui, y a pas de problème. Toute l'équipe. Toute l'équipe doit venir manger gâteau avec moi. Oui. Oui, je suis avec toi là. Ah oui, bien sûr. Oh, mais tout le monde connaît mon mini en fait. Qu'est-ce qui m'a un petit peu de diamant? Ouais. Non, bien, un petit peu de photo de moi. Quand on reste grand large, je crois. Grand large, je crois, ok. C'est de l'autre côté de la route. Ok. Ouais. Okay. Sorti de l'extrême. La barre pour Vinla. Tous les jours aussi, enfin non, pas au travail. Tu finis comment là en fait? Ah, okay. Merci beaucoup. Vous avez commencé un petit peu de gâteau, moi vraiment tout ça là. Il est minuit et demi, donc voilà, hier c'était mon anniversaire et j'ai passé une super journée. Et là, I know I look crazy, mais en gros ça c'est ma skincare le soir, vous savez très bien, j'applique cette crème pour enlever les petites taches, etc. Donc yeah, I'm just doing my skincare, surtout que depuis que je suis arrivée à Rodrigue, bah, j'ai oublié de faire ma skincare le soir. So I was just like, okay, we need to fix that, parce que vous savez très bien que moi et ma skincare, voilà. Mais on m'a juste dit que j'ai passé une super journée aujourd'hui. J'ai oublié de manger du crabe et j'ai mangé du crabe. On est parti manger justement à Pau-Maturin chez le pêcheur du Nord, c'est ça? Yep. Yeah, et ils ont même, voilà, ils m'ont même ramené un petit bout de gâteau, etc. avec une bougie. J'ai gardé toutes les bougies d'aujourd'hui. Genre, j'ai gardé les bougies comme souvenir. Mais voilà, c'était une attention très, 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 voilà, très, très touchante. Et même ce soir au restaurant. On s'attendait pas du tout, enfin du moins moi, je m'attendais pas du tout à avoir un gâteau, etc. Voilà, c'était again une petite attention qui m'a beaucoup touchée. I was not expecting that. Et en plus le gâteau c'est une génoise. Ça fait longtemps que je peux manger une bonne génoise. And it looks so moist, like yep. Donc j'ai quitté la moitié du gâteau avec l'équipe. Et du coup on a ramassé la moitié du gâteau dans notre mini bowl ici. Donc voilà. Mais voilà, je passais une très bonne journée en soi et je pense qu'on a officiellement rompu la malédiction des anniversaires, parce qu'il faut savoir que moi dans ma vie chaque année que mon anniversaire se passe un truc like what the fuck, I'm not joking, chaque année. Et cette année ça s'est hyper bien passé et je suis là à fêter mon anniversaire à Rodrigue, like again, je pense que j'ai dit ça hier, but it feels unreal. Genre, j'ai l'impression que genre, je suis là constamment à me dire ok, est-ce que tout ça est vraiment en train de se passer, etc. I don't know, but it's insane, it's really insane d'être là, d'être au Tacoma, de fêter mon anniversaire, d'être juste là, dans ce cadre incroyable, dans cette chambre juste magnifique.
et de vivre tout ça quoi, c'est juste dingue en vrai. Et demain, du coup demain, enfin même pas demain quoi, tout à l'heure, tout à l'heure on commence les activités à Rodrigue, etc. Donc il faut savoir que Office du tourisme de Rodrigue, voilà, je sais pas si c'est la page carrément, voilà. Mais je vais travailler avec eux pour promouvoir l'île à partir de demain. Donc ils ont prévu un planning d'activités pour nous, etc. Et du coup demain je serai avec cette équipe. Ça me stresse un peu, to be honest, parce que voilà, pour vloguer devant les gens, etc. I'm a bit stressed. Mais en gros, voilà, demain on commence les activités avec eux. And guys, I don't know how to describe this, how grateful I am. Je crois que parmi tous les influenceurs de Maurice, quoi, que ben, c'est moi qui va promouvoir Rodrigue. Bon, je pense qu'il y aura d'autres influenceurs qui vont venir après, etc. But I just feel grateful right now d'avoir été choisie pour promouvoir l'île. Surtout que depuis que je suis arrivée, j'ai vraiment l'impression que ben, j'aime beaucoup Rodrigue. J'aime beaucoup la simplicité, l'authenticité de Rodrigue. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens actuellement. Et on est qu'au début du voyage. Genre, j'ai vraiment l'impression que quand les vacances seront finies, etc. I will be so sad. Mais voilà, je suis vraiment reconnaissante. Like, so grateful. La petite fille qui faisait des vidéos sur les réseaux, etc. Mais maintenant, elle est en train de promouvoir les vacances sur une île, etc. I don't know if you guys realize. Moi, je suis toujours en train de process toutes ces informations. Donc, yeah, but I'm just so grateful. So grateful de ce qu'on va dire, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai affronté au cours de ces 25 années. On aura gratte. Mais en tout cas, voilà. je pense qu'on va parler de mes 25 ans un peu plus en détail, peut-être. Je dis ben, peut-être quand je vais rentrer à Maurice. Mais pour l'instant, yeah, I feel blessed. I feel grateful. And I'm super proud of me. Donc, yeah. Et shout out to Fred. Fred ici, by the way. Fred! Fred a essayé de trouver des fleurs pour moi aujourd'hui. Et malheureusement, il n'a pas trouvé des fleurs. But yeah. Si, on a trouvé. Ouais, on a trouvé. Il n'y en avait pas. Oui, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Donc, enfin, on a trouvé une fleuriste, mais il n'y avait pas de rose rouge, etc. Mais c'est l'intention qui compte dans mon cœur. Fred m'a offert des fleurs aujourd'hui. So, that's cute. Mais voilà, voilà. En tout cas, là, je vais juste finir ce vlog au plus vite. Parce que demain, on doit quand même se réveiller assez tôt. Et demain, j'ai pas envie de rater le breakfast. En vrai, c'est hyper drôle parce que le premier jour, j'étais là en mode yes, guys, je vais me réveiller tôt. Je vais partir regarder le lever du soleil sur la plage et tout. And look at me. On s'est réveillé à 10h aujourd'hui. Genre, on s'est réveillé à 10h. On a raté le petit-déj parce que du coup, le petit-déj, c'est de 7h à 10h. On a raté le petit-déj et demain, je veux absolument manger. Genre le petit-déj et tout quoi. On n'a pas payé un hôtel pour ne pas manger le petit-déj. Like, what is happening? What is happening? This is not okay. Donc, yep, demain, j'espère qu'on commence ce vlog avec un super breakfast. Je pense que Fred aussi disait ça, c'est la meilleure partie des vacances en vrai. C'est le fait, genre quand t'es à l'hôtel et tout, le breakfast le matin. Parce que c'est pas forcément quelque chose que tu vas faire tous les matins. Donc, yeah, I really like breakfast dans les hôtels. So, I'm so excited about it. And yeah, I'll see you tomorrow, guys. Et d'après ce que j'ai vu, je dis bien d'après ce que j'ai vu, la connexion était comment? It's like, okay. Genre, j'arrive à mettre mes vlogs en ligne, etc. So, yeah, espérons que ça continue ainsi. And yeah, see you.